je vais inviter Evie Brassi et le Loubar. Et on va partir sur donc cette demi-finale qui nous emmènera the fucking top. Ouais. Ouais. Vous êtes chaud, 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 chaud? Chaud pour aller en finale? On est chaud. Alors, juste comme ça, sans pression, hein. Dans deux matchs, il y a 1000 balles. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est tout. Ça y est, j'ai Parkinson. Alright, I've got to show you guys. I'm in pro league. Bon, dépêche-toi, Loubar, parce que. Ah, attends là! Parce qu'en face, ça a commencé. Hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, mais tu peux pas. Ravis-toi! Je peux pas rejoindre. Ah, bah yes, il va falloir que je redémarre Uplay encore, c'est ça? Attends, mais renvoie-moi tout à l'heure, ça avait bugué bon, pas. Je et... t'ai invité. Ouais, calme-toi. Tu me parles meilleur, toi, que eh. Genre... Hey je rigolais. Moi, je peux te mettre des rounds forfait, alors fais attention, hein, c'est moi le boss ici. Oh, ah, ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. J'adore ta coupe de cheveux, mec. Yes, ah, j'aime beaucoup la tienne aussi. Ouais, mais on a la même. Ah, oui, c'est vrai, mais j'avais ah, oublié. Ah, bon, moi, c'était sincère là. Et voilà. Le Loubar, comme à son habitude, qui attend le drone et on n'a pas anti-strat du côté de Vibrassi. Je sais où il est. Okay. Il est, je crois, il est piano. Enfin, billard, pardon. Et Vibrassi, donc, qui perd un de ses deux outils d'observation, qui va s'insérer pour essayer d'aller donc sécuriser ou tuer Skyboo, sécuriser le conteneur qui se trouve au niveau du billard. Skyboo qui va se retirer, lui, au niveau de la cuisine. Mais attention, comme on le sait, en sécurité, il faut être très proche du conteneur, sinon, eh bien, ça peut être fatal. La Gumine qui vient de la droite, on se doute qu'il y a un joueur qui est plutôt au niveau de la cuisine. Le duel qui s'annonce entre Skyboo et Vibrassi. Et Vibrassi qui a tenté, qui va remonter alors qu'on est en train d'envoyer des shots. La première concussion, la première impact, pardon, qui arrive dans le mur directement. Il joue derrière le conteneur et il est reparti au top. Il est reparti au top et Skyboo a cette information alors qu'on va pas en dessous. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué, il pourrait tout tellement surprendre dans cette position et il va surprendre Skyboo. Et il mettra deux balles à Vibrassi qui est laissé environ à 50 HP. Situation compliquée, on est en train de perdre ce round pour Vibrassi. Le Loubar qui s'en sort au duel, c'est bien lui qui a eu le meilleur game sense. Et voilà, 1-0. Emplacement du conteneur radioactif inconnu. Trouvez-le. On arrive du côté de la master et Vibrassi, il va être dans le coin. Il va être dans le coin, il va attendre que Skyboo fasse l'erreur et la première grenade qui détonne et Skyboo qui va mettre aucune balle. Vibrassi qui remporte son duel. Et nous on part sur un buck contre les ions. Est-ce qu'il va spawn kill le drone comme il le fait tout le temps? Anti-strat et du coup Vibrassi va plutôt passer du côté de la cuisine avec son drone. Une lésion. Nope. Du conteneur radioactif inconnu. Veillez à ce qu'elle le reste. On a l'information sur le Loubar qui va se repositionner et qui, comme tout à l'heure, en se repositionnant, pourrait faire très très mal. Qu'est-ce qu'on va avoir du gadget aussi utilisé par Vibrassi? Et on sait qu'il est juste au-dessus et on bouge pas pour Skyboo. On est absolument stoïque et on fait bien de l'être alors qu'on est en train de redroner. Et est-ce qu'on a vu la tête? Est-ce qu'on a vu la tête? En tout cas, on a vu les balles passer juste à côté de Vibrassi, on revient sur site et Vibrassi qui a une balle de la mort maintenant, il est couché, l'impact, parfaite, et
c'est le Loubar qui s'en sort et qui reprend l'avantage. 2-1 pour Skyboo. Ah, je voyais rien à cause de la fumée. Il a bien joué. Franchement, il joue bien. Il joue bien, c'est un délire. Oh là 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 là. Il a spawn là-bas. Oh le brain, oh le brain, et il est parfait ce brain, et le Loubar qui a trouvé l'objectif, et derrière il prend un travers headshot monstrueux de la part de Vibracy qui recolle de partout. Et maintenant Vibracy se fait plus avoir hein, quand il est en attaque, il passe pas du tout par cette porte, il donne en bas de l'escalier et il prend les infos. Le drone d'homme fort a localisé le conteneur radioactif. Qui pop en face du drone, du coup on a sa position, on sait à peu près où il se trouve, on va reprendre cette caméra des deux côtés, on a l'information, le drone qui vient d'être détruit, et Vibracy qui arrive au niveau de la porte. On a pris une Gumaine dans le pied de Vibracy. Va pouvoir l'enlever, il est environ à 90 HP. Il est passé depuis bien longtemps, il est passé depuis bien longtemps alors que c'est en train d'arriver au niveau de la cuisine. Oh ! Oh Skyboo ! Et Vibracy qui a 50 HP. Et attention, là les shots qui partent et qui pleuvent. De la T5 SMG, du Lésion. Le Loubar est dans une position... Copper mode, hein. Couché en plein milieu de l'escalier, et on revient sur site. On est à 45 secondes de la fin, et le temps commence à s'amenuiser. Et là, c'est forcément en faveur de la défense, donc du Loubar, qui se trouve ici, l'Agumine qui a été repéré par Vibracy, le petit puncho, là, attention, au niveau de la cuisine. Et on ne bouge pas, on est stoïque pour Skyboo. La petite grenade à concussion qui part, la deuxième, et non, on a l'impression qu'il n'y a personne, et attention, dans le coin, hard left. Contact à gauche directement, on ne bouge pas pour le Loubar et c'est très bien joué. On voit le canon et malheureusement pré-shot et ça va passer pour le Loubar qui était très très low HP. Pour l'agression, l'agression de Vibracy au niveau de cette triple fenêtre alors qu'on vient avec la SMG. La Bearing 9 de la Ibana a cassé cette porte. Et ouais, on envoie les petits pré-shots. On envoie aussi les flashs pour aller sur l'escalier. Et les petites balles qui ne passent toujours pas sur les pieds du Loubar alors qu'on est en train de remonter au niveau de l'escalier main. Et Vibracy n'a pas du tout cette information. Et ça y est, il a cette information et il va revenir. Et il est complètement flashé, il est complètement blanc. Et il est revenu sur site. Et attention, la Skyboo, le duel qui va se jouer à l'aim. Et on l'a vu. On a vu le bout de casque dépasser, maintenant on attend l'erreur côté Vibracy. C'est l'erreur côté Vibracy qui arrive, mais malheureusement on louche un petit peu. Et Vibracy qui remporte son duel. 3 partout, balle au centre. Et le drone de Vibracy, il a été vu là, et le drone de Vibracy vient d'être détruit. Et voilà, le spawn kill du drone pour le Loubar qui passe. On est maintenant à 3 rounds d'aller se qualifier pour cette finale en best of 3. Soit pour Vibracy, soit pour le Loubar. Et attention. Et attention, attention, Vibracy qui a fait énormément de dégâts sur ce coup-là. 50 HP perdus. Bah alors, Vibra, prends des balles. Il va arriver au niveau de la fenêtre. Et attention, attention, parce qu'il est attendu. Il est attendu par un Loubar. Il est attendu par un Loubar qui aurait pu accrocher sa tête. Et on envoie le drone. Pour l'instant, on va pas capitaliser sur son information. On va juste bait avec. On sait qu'il y a un joueur qui se trouve... directement sur le site, on vient d'entendre la Gumaine détonner. La prise d'info avec le drone qui sera détruit et le repositionnement de Skyboo alors qu'on sait qu'il arrive de l'autre côté. Oh le bait. Oh
va ouvrir au niveau de la master, on s'insère au niveau de la master et on va prendre son kill depuis la master. Je n'entends pas ici. Je l'ai entendu péter l'autre côté. Et on a l'information. On a l'information, le drone vient d'être détruit. La reprise d'info. La reprise d'info. On entend ce drone. On l'entend pas. Oh, si, ça y est, on l'entend. Et on va aller directement au duel là pour Vibrassi. On va y aller au duel pour les deux joueurs même. Petite ligne, micro ligne. Oh, tellement bien joué! Tellement bien joué! De la part de Skyboo! Et il va récupérer son kill! Mais quel brain de la part de Skyboo! On repart en billard. Billard étant le BP préférentiel du bon Skyboo. Et spawn kill de drone, attention. Et hop, le spawn kill de drone. Il m'énerve, il campe les drones. C'est... Bah, il a raison, hein. Il a raison. You have found the biohazard container. Si Vibrassi n'a pas encore l'information de ce rappel, on rappelle qu'il ne peut pas passer sur les caméras. Est-ce que le drone a été vu? Et là, on a l'info. On a l'info exacte de sa position. Skyboo qui louche un petit peu, malheureusement. Oh! Oh! Le one tap! MS. Ouh. Vibrassi ou Skyboo? Faites vos jeux, c'est parti, 2 minutes 20 et on connaît l'adversaire de Bibou pour la finale. Légumines qui sont posés par Vibrassi. Op4 has found the biohazard container. Est-ce qu'on va pas tenter l'insertion directe? Est-ce qu'on va pas tenter un shot en face? Oh my god! Oh mon dieu! Mais comment ça passe? Comment ça passe?